Bonjour, en suédois. Ancien peuple viking, les habitants de Stockholm sont disciplinés, calmes et profitent du moindre rayon de soleil pour sortir boire une bière jusqu'au petit jour. Faut dire que la nuit en été chez eux ne dure que quelques minutes. Capitale de la Suède, située sur la côte sud-est de la Scandinavie, au débouché du lac Mälar dans la mer Baltique, la ville s'est étendue sur les deux rives du chenal et sur les nombreuses petites îles qui encombrent celui-ci. Son réseau de canaux pittoresques, ses ponts, lui ont valu le surnom de Venise du Nord. Depuis le centre de la ville jusqu'à la mer s'étend un vaste archipel de 10 000 îlots verdoyants que les navires de haute mer mettent plusieurs heures à traverser pour accéder au port. Ce globe est la sphère la plus grande construite sur notre Terre. Des manifestations sportives et culturelles trouvent leur place. Skansen est le lieu des rencontres dans l'espace et le temps. Des rencontres entre les générations et avec l'histoire de Suède. Dans les fermes, on élève des animaux, en particulier les vieilles races rurales suédoises. Mais il y a aussi des enclos pour les bêtes sauvages comme l'élan, le loup, l'ours, le lynx et les otaries. Près de Skansen, nous pouvons visiter le musée Vasa. Le Vasa, le plus fier bâtiment de la flotte suédoise, a sombré au cours de son voyage inaugural en 1628. En 1961, son renflouage a marqué le début d'une aventure qui se poursuit encore. Sous les yeux du public, l'épave est redevenue un navire avec son gréement. Les grandes dates de l'histoire du Vasa. En 1625, le roi Gustave II Adolphe commande le vaisseau Vasa. En 1628, le Vasa sombre lors de sa première sortie dans le port de Stockholm. 1664, la plupart des canons sont remontés à la surface. En 1956, Anders Franzen repère le Vasa après plusieurs années de recherche. 1961, le Vasa est renfloué après 333 ans d'immersion. 1962, un musée provisoire est construit. Début de l'arrosage du vaisseau au moyen d'un produit de conservation appelé POG, traitement qui durera jusqu'en 1979. En 1987, mise en chantier d'un nouveau musée. En 1988, transfert du Vasa au nouveau musée en cours de construction. 1990, inauguration du nouveau musée par le roi Carl VI Gustave. 1995, le Vasa est complètement gréé.
Oh, let's go! Oh!